BMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne BMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui reste un moment privilégié pour vous puisqu'il vous permet d'être informé sur l'actualité concernant le football congolais, concernant le sport congolais en général. Et aujourd'hui, nous allons débuter cette information par des nouvelles de Léopards A' dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. La première présélection d'Otis Ngoma de 49 joueurs avec Kabe Yamulunda, Chimanga Chilombi ainsi que Peter Mutumosi qui fait son grand retour. Le sélectionneur national de Léopards A' de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma Kondi, a rendu public une sélection de 49 joueurs en prévision du stage de préparation en Algérie prévu le 30 mai prochain qui va donc se clôturer le 14 juin. Les Fauves congolais disputeront un tournoi avec trois autres sélections, notamment celle du pays hôte, pour se mettre en jambe en vue des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui va avoir lieu dans ce pays justement. La liste des 43 joueurs se présente comme suit. Gardien un début, Pouloulou Archimède du FC Renaissance, Hervé Lomboto du Darin Club Motema Pembe, Mukawa Yves du FC Lupopo, Siadiba Dio du Tout-Puissant Mazembe, Mubobo Israël du CS Don Bosco, Lunanga Jackson de l'AS Dauphin Noir. Comme défenseur, nous aurons Kabeya Mulunda du Sangabalende, Masengo Godé du Tout-Puissant Mazembe Anglebert, Ebola Ebelo de l'AS Maniema Union, Issa Mpeko qui fait son retour en équipe nationale du Tout-Puissant Mazembe, Boka Isaka de Lupopo, Luzolo Sita Mazembe, Mangin Ndula Enoch DSMP, Simete Taboria Maniema Union, Ikoyo Iembe DSMP, Lita Demani Lupopo, Mondeko Okevin Tout-Puissant Mazembe, Chilembi Chimanga, Groupe Bazano, Lombangi Junior CS Don Bosco, Kambo Alife FC Renaissance, Mumba Isala de l'AC Rangers. Et comme milieu de terrain, nous aurons Mokonzi Jonathan de Lupopo, Simon Michel de l'AS Dauphin Noir, Nsundi Christian de Darin Club Motema Pembe, Peter Mutumosi de l'AS V Club, Wango Mbabu de l'AS Maniema Union, Mika Michel Lupopo, Zemanga Soze Mazembe, Kikasa Wamba V Club, Masamba Kese Lupopo, Mukoko Tonombe Mazembe, Masasi Obenza Mazembe, Likonza Glodi Mazembe, Onoya Charvet à Maniema Union, Mpia Nzengeli AS Maniema Union également. Et comme attaquant, nous aurons Kinzumbi Philippe Tout-Puissant Mazembe, Lile Pomakabi V Club, Ngimbi Mvumbi Mazembe, Ntumba Exocé Chikunku, Bukasa Sangabalende, Tchal Moussans Prince Lubumbashi Sport, Katunondi Kati DSMP, Bosunzali Adam Tout-Puissant Mazembe, Kitambala Bola Mazembe, Sapuzoe Lupopo, Mayamba Obed V Club, Tulengi Sindani Maniema Union, Mbuyi Jérémy ASV Club, Makusu Mundele et Lupopo. Une liste, oui certes, nous retrouvons beaucoup de joueurs qui sont tout de même compétitifs. Il faut rappeler que le championnat en République démocratique du Congo ne se joue plus depuis quasiment deux mois. Et certains noms hein, quand même nous étonnent aussi. Hein. J'aurais bien voulu voir quelqu'un comme Youssouf Moulumbu faire partie de cette équipe pour voir comment il va apporter son expérience hein, à cette jeunesse dans l'équipe nationale A'. Il peut beaucoup apporter aussi bien dans les vestiaires et même sur le terrain puisqu'il est actif avec le FC Saint-Éloi à Lupopo. Alors une liste, on a comme l'impression que c'est une liste qui est faite sur base de
des souvenirs. Comment expliquer que quelqu'un comme Peter Amoutou-Moussi, qui n'a joué même pas une seule seconde avec l'AS Vita Club, s'est retrouvé dans cette liste? Dites-moi si ce n'est pas par rapport à ses souvenirs d'antan. Ce serait quoi alors? Moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont au tout puissant Mazembe, tels que Moukoko Tonombe, qu'on ne voit pas jouer. Mazembe, le seul club qui est actif aujourd'hui et qui joue la compétition africaine interclub, qui va donc jouer les demi-finales contre la Renaissance Sportive de Berkane ce dimanche. Mais ces joueurs-là, on ne les voit pas sur le terrain, mais qui sont présélectionnés par Otis Ngoma, ça démarre déjà quand même avec du questionnement, et c'est tout à fait normal que nous puissions nous poser ce genre de questions aussi. Quoi qu'il en soit, il aura le temps de bien composer son équipe après ce stage en Algérie qui est salutaire pour nous, qui ne jouons plus le championnat, et ces joueurs n'auront certainement pas de rythme, n'ont plus de match dans leurs jambes. Ce stage vient à point nommé pour lui permettre de détecter les joueurs qui pourraient au mieux défendre les couleurs de la RDC dans le cadre des éliminatoires de ce championnat d'Afrique des Nations. Nous poursuivons avec ce tour d'horizon, et cette fois nous allons aller du côté des Émirats Arabes Unis pour avoir des nouvelles de notre international congolais. Il s'agit bien, vous l'aurez compris, de Ben Malango, mais nous y allons après cette courte pause. Ben Malango, qui est resté longtemps ennuyé du côté de Sharjah à son club, hein, où il évolue aux Émirats Arabes Unis, il s'est offert un doublé et ouvre bien sûr son compteur but de l'année, puisque en 2022 il n'a inscrit qu'un seul but, et c'était avec l'équipe nationale de la RDC. Rappelez-vous de cette réduction du score avec ce magnifique but contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Mené au score, Al Sharjah, renversant, s'impose sur la pelouse d'Al Waïda, un but contre deux, grâce à un doublé de l'international congolais Ben Malango à l'occasion de la 22e journée du championnat émirati. Ben Malango était bien évidemment titulaire et il a mis fin à une longue série de disettes en club, alors qu'il n'avait plus inscrit le moindre but depuis son retour de blessure au mois de février dernier. Il s'agit de son 10e but de la saison, toute compétition confondue. Al Sharjah occupe la 4e place au classement avec 45 points. Et par ce but, Ben Malango lance très clairement un message au peuple congolais et même au sélectionneur de Léopard A, Hector Raoul Cooper, qu'il est bien de retour, même si en équipe nationale, ce long moment de disette n'a pas trop été senti, puisqu'on l'a vu inscrire un but contre le Maroc, je l'ai rappelé. Et nous poursuivons avec ce tour d'horizon. Cette fois, nous allons du côté de l'Arabie Saoudite, où un Louindama catastrophique n'a pas permis à son club de faire un bon match, et son club Al Taoun a chuté lourdement à domicile et s'installe dans la zone de relégation. Al Taoun, 12e au coup d'envoi, recevait Al Ettifaq, 15e, et cela en match comptant pour la 26e journée du championnat saoudien. Les locaux ont été humiliés sur leur propre terrain, 0 but contre 4 par les visiteurs d'Al Ettifaq. Auteur d'une prestation catastrophique, Christian Louindama a concédé un penalty à la première période qui a été sauvé par son gardien, et il a presque été le fautif sur les deux buts inscrits par l'équipe adverse. Après cette contre-performance à domicile, Al Taoun s'est installé dans la zone de relégation. Au contraire, son adversaire du jour, qui a quitté cette zone à 4 journées de la fin du championnat. Quittons l'Arabie Saoudite avec cette prestation, je l'ai dit, catastrophique de Christian Louindama en club, qui ne va pas rassurer le public congolais. Christian Louindama, lui, qui était revenu demander pardon aux Congolais après la prestation médiocre de Léopard. Il a endossé cela au nom de toute l'équipe pour revenir beaucoup plus fort. Mais avec cette prestation catastrophique, cela est loin de rassurer les Congolais, avec cette échéance qui nous attend fin mai. Entre le 30 et le 14 juin prochain, la RDC devra jouer les deux premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors nous quittons l'Arabie Saoudite, nous allons aller cette fois-ci en Thaïlande, mais nous y allons après cette courte pause. Fini les camarades, on va naïveler.
En première division de Thaïlande, 7e sacre dans la poche pour Jonathan Bolingui et Buriram United. L'international congolais Jonathan Bolingui et Buriram ont remporté leur 7e titre de leur histoire malgré la défaite 1-2 devant la formation de Soufa Buri. Cela en match comptant pour la 30e journée qui était aussi la dernière du championnat thaïlandais de première division. L'attaquant international congolais a bien évidemment disputé cette partie. Il a inscrit l'unique but des siens à la 62e minute. C'était son 6e but de la saison. Ce succès leur permet de confirmer leur place pour la prochaine Ligue asiatique des champions. Ils terminent le championnat avec 62 points après une course presque sans partage. Ils ont survolé la plupart des rencontres, ce qui leur a permis d'avoir cette avance. Félicitations à Jonathan Bolingui qui a fait une très belle saison de ce côté-là et qui a même très bien clôturé la saison avec cet unique but de son équipe qui a perdu un but contre deux. Poursuivons et terminons ce tour d'horizon par des nouvelles de Inonga Bakadi Varane et de la confrontation qui va opposer le tout-puissant Mazembe Englebert et la Renaissance sportive de Berkane dans le cadre des demi-finales allées de la Coupe de la Confédération africaine. D'abord en Tanzanie, une récompense bien méritée pour Enoch Inonga Bakadi Varane. L'international congolais, ancien défenseur central du Lion Club Motema Pembe, a été plébiscité joueur du mois d'avril au sein de sa formation Simba SC, équipe évoluée en première division tanzanienne, et cela à l'issue des résultats du vote des supporters. Le défenseur central international congolais passe pour être l'un des pions majeurs de l'effectif de cette équipe, lui qui est arrivé cette saison en provenance du Daring Club Motema Pembe. Il n'aura même pas eu besoin d'un temps d'adaptation et s'est très vite imposé dans la charnière centrale comme étant un élément très important. Bien que sur le plan collectif, cela semble tout de même piétiner, mais sur le plan personnel, c'est très clairement une saison déjà réussie pour l'ancien du FC Renaissance du Congo qui commence à attirer beaucoup de regards extérieurs. Avec ses performances, Simba aura du mal à le conserver la saison prochaine, mais comme disent les anglophones, wait and see. Alors nous terminons avec des nouvelles du tout-puissant Mazembe Englebert et de la Renaissance sportive de Berkane. Vous le savez, la CAF a sanctionné le tout-puissant Mazembe. 5000 spectateurs seulement attendus ce dimanche à Kamal City. Les Corbeaux n'évolueront qu'avec 37% de spectateurs sur la capacité de leur temple, le temple des Badiangwena. Une décision de la CAF synonyme de sanction suite au jet de projectiles et d'envahissement de l'aire de jeu après le match contre Pyramide. Voilà qui peut peut-être, je ne sais pas, rassurer un tout petit peu Jean-Florent Ibenge Ikwange, l'entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane, qui connaît ce bouillant stade du tout-puissant Mazembe et qui, bien sûr, préférerait 37% du public présent plutôt que 100%. Mais on verra si cela aura un impact sur le résultat sur le terrain. Wait and see, c'est dans quelques heures que nous allons suivre cette rencontre qui promet des intercelles dans l'air. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet qui, je l'espère, sera très alléchant pour vous. En attendant, portez-vous bien. Et DMTV vous dit au revoir.